Bonjour, une autre vidéo pour apprendre comment créer un script ou un petit programme pour connaître le nom de l'ordinateur, de PC et son adresse IP sur le réseau. Bon, tout d'abord, on va créer un nouveau fichier, par exemple socket.py. On va commencer tout d'abord par importer le module socket. Import socket. Voilà. Puis, on va déclarer une variable où on va stocker le résultat. Par exemple, hostname égale socket.get hostname. Voilà. Cette fonction va nous donner le nom de l'ordinateur. Voilà, si on teste maintenant, print hn, voilà. Et on exécute. Bon, après l'exécution ici, il y a une erreur. Voilà, il vous dit que le module socket has no attribute get hostname. Par contre, c'est vrai, il y a dans le module socket, parmi les méthodes du module socket, il y a la méthode get hostname. Bon, ici l'erreur, c'est à cause que on a nommé le fichier avec le même nom que le module à importer. Il faut pas faire ça. Voilà, je vais changer ici le nom rename 2 par exemple et je teste. Voilà, maintenant ça va fonctionner. Voilà, il vous donne ici le nom de PC. Si je répète, voilà, desktop, etc. Bon, si on veut maintenant afficher l'adresse IP de ce PC, on va utiliser la variable qui contient le nom de PC. Voilà, pour cela, on va déclarer une nouvelle variable, IP par exemple, égale socket.get host by name. Get host by name, puisque on va utiliser la variable hn comme paramètre. Je vais imprimer ça. Et puis, si je teste maintenant, voilà. Ici, c'est le nom de PC. Ici, c'est l'adresse IP. Si j'ajoute ici, PC. Et ici, c'est IP. Virgule ici, voilà. Pour être clair, voilà, PC. Voilà, ici, il vous affiche le nom de PC et l'adresse IP. Bon, la vidéo est terminée. Merci pour votre attention et au revoir.